Petit John a travaillé pendant 10 ans et a enfin économisé suffisamment pour acheter cette étrange maison triangulaire de moins de 3 mètres carrés. Même son cheval a fui après l'avoir vu. Il n'a pu trouver que quelques briques dans la décharge pour construire un simple lit en bois. Chaque nuit, il s'allongeait sur le lit et pleurait amèrement. Finalement, il n'a plus pu le supporter et a décidé de la réaménager comme ceci. Retirer les fenêtres d'origine et souder un cadre en acier carré galvanisé pour l'agrandir. Emprunter quelques vis à sa fourmi pour le fixer au mur, le recouvrir de plaquages en bois écologique et ajouter du béton armé de caoutchouc en dessous. Utiliser des briques antidérapantes sur le mur, ajouter de l'eau chaude et des pétales de fleurs pour que Petit John et sa petite amie puissent de profiter d'un bain parfumé. Réinstaller la fenêtre retirée et drainer l'eau du bain. Intégrer une tige de levage hydraulique pour créer un lit placard sur le dessus, permettant au lit d'être relevé et abaissé librement, utilisant pleinement l'espace. Ranger des vêtements de saison et des couettes épaisses dedans. Poser un matelas doux pour créer un lit double, même si sa petite amie vient, elle peut encore y dormir. Installer des garde-corps en fer pour les empêcher d'être emportés par le vent fort. Créer une grande armoire dans le coin près du lit. Tout le côté supérieur droit est une zone de suspension pour ses vêtements habituels. Créer une petite grille sur le côté supérieur gauche pour les sous-vêtements odorants, les chaussettes et les jouets pour chiens. Ranger également le linge plié. Installer une prise pour charger les téléphones mobiles, facilitant ainsi la navigation sur le téléphone tout en étant allongé au lit. Ajouter quelques livres pour lire avant de dormir. Ne pas oublier d'installer un projecteur. Faire un placard au pied du lit, sur le côté droit, créer une petite piscine, et sur le côté gauche, placer une plaque à induction pour créer une mini-cuisine. Installer une hotte aspirante au-dessus. Ajouter un miroir à droite pour que Petit John puisse s'admirer chaque jour. Utiliser la petite grille sous l'armoire à miroir pour les condiments et les articles de toilette. Faire un cercle de rembourrage doux avec des couleurs porte-bonheur pour que le lit sente bon et soit confortable quand il dort. Ajouter un bureau mobile près de la fenêtre pour servir d'espace de travail et de table à manger, le repliant lorsqu'il n'est pas utilisé pour gagner de la place. Créer une armoire multifonctionnelle près de la porte pour ranger ses économies sur le dessus, l'aidant à économiser pour une maison plus grande à l'avenir. Intégrer un petit réfrigérateur en dessous pour stocker tous ses aliments préférés. Préacheter un réservoir d'eau caché sur la droite et installer des toilettes murales pour que Petit John puisse profiter de ses meilleurs moments. Utiliser la porte du placard pour bloquer les odeurs des toilettes. Installer un écran de projection au pied du lit pour pouvoir s'allonger et profiter des dramas coréens chaque jour. Ce design est très humain, c'est comme un têtard qui se transforme en grenouille, absolument génial.